champion du monde. Champion du monde. Qu'est-ce que ça fait d'être champion du monde? On a remporté l'International Caseus Awards, qui c'est effectivement le championnat du monde des fromagers. On était sur Lyon en finale avec 12 pays participants. Ça fait quelque chose, c'est vrai. C'est une vraie compétition, on attaque à 5h le matin, on va sur le stand à 6h30 et il y a 7 épreuves fromagères. On a été bons de partout. Où on a été les moins bons, c'était des coupes de parmesan chronométrées. Effectivement, là, on peut pas. C'est les Italiens qui ont gagné. On a fait une dégustation Comté, caviar d'Iran et vin jaune de 84, donc pour faire déguster au jury. On s'est rendu compte que le Comté 30 mois d'affinage, le caviar avec un peu de sel, le sel du Comté, le sel du caviar, et après on a vu le gras et le côté savagnin des vins jaunes allaient super bien. Donc effectivement, on a fait des petites coupelles où on a mis un peu de caviar, un petit peu de Comté et un petit verre de vin pour faire déguster au jury. D'abord, les gars, ils disent le troisième. Le troisième est l'Italie. Ah, les Italiens, fou de joie, ils éclatent. Le deuxième, et là, mon pote Rodolphe, il me dit, si on est deuxième, on monte pas. Moi, je vais être premier. Ah, j'ai dit, Rodolphe, le deuxième, c'est bien quand même. Le deuxième est la Belgique. Badaboum, et là. Et le premier est, et là, la Marseillaise qui envoie, et là. Tu te mets à pleurer comme un merdeux. Il y a le gaillard là-bas, il pleure comme un gosse. Et ils embrouillent la Marseillaise quand t'es comme pour les footballeurs. Pour du fromage, quand même. Ouais, voilà, pour du fromage. La livraison du matin. Qu'est-ce qu'il livrait là? Des bris. C'est un petit rouge, là. Hein, tu voulais pas me les livrer, les bris, salaud. Hein? C'est la caverne au fromage la plus courue des Alpes, un lieu qui respire le terroir et la bonne humeur. Sur le 2006, tu vois quand il y a des choses... Depuis 25 ans, Bernard Murraveau est installé au centre de Grenoble, champion du monde 2007 et meilleur ouvrier de France 2008. Sa réputation est désormais mondiale. Il livre en Espagne, en Australie, à Monaco et sa fromagerie ne désemplit pas. Ses clients, des gens modestes, comme des chefs prestigieux. Ma chérie, ça va? Fais bisous tout à l'heure, faut que j'arrive à passer. Ça c'est pour Barcelone et t'as un plateau là-bas. Il y a un plateau. Et demande-leur un café. La moitié de ça? Ouais, il connaît son métier, hein, c'est ça. Et puis... la façon de recevoir le client, pas désagréable, hein. Toujours jovial. Toujours. Oh, oui. C'est agréable de se faire servir par des gens comme ça qui ont le sourire en permanence. Viens, monsieur, viens voir là. Viens voir là. Viens comme il est beau, le collant. Viens comme elle est belle. Viens. Viens-moi ça. Très bien. Maintenant, tu fais le service. J'ai compris. Tu sais faire. Si t'es un gars du métier. C'est une habitude ici. Apparemment. Parce qu'il y a du monde, Déjà, le client, quand il arrive, il te regarde et il s'est régalé la fois d'avant. Je me lasse pas de le dire. Donc, quelque part, le client, lui, est déjà passionné. Nous, on est passionnés. Les gens qui fabriquent sont passionnés. Les gens qui élèvent les bêtes sont passionnés. Nous, c'est toute une chaîne de gens passionnés. Et effectivement, nous, on a la chance d'être le dernier maillon de la chaîne. Et c'est nous qui distribuons aux clients. C'est nous qui prenons à la limite les compliments, je veux dire, à nous, à les redonner à ceux qui arrivent derrière. Mais c'est vrai qu'on a la chance de vivre un métier passionnant et des gens passionnés, c'est tout. C'est du mai 2007, c'est 20 mois d'affinage. Et quand on va arriver sur le mois de décembre, il me reste 35 meules de 2006. Donc si tu veux, là je t'enverrai les meules de 2006 pour les fêtes de fin d'année. Ok, ouais, alors Échourniac, et il s'appelle plus Échourniac, maintenant c'est Timanois. Parce que les petites sœurs de l'abbaye d'Échourniac nous ont donné la recette au moine Timadoc dans le Morbihan. Et là le nom c'est Timanois. Grosse commande là, Bernard? Là c'est une belle commande. C'est une belle commande, surtout c'est une commande qui est sympathique parce que c'est le cheval blanc à Courchevel, quoi. C'est un des plus belles hôtels de Courchevel. Là on a eu le Monte Carlo, comment c'est ? Le Monte Carlo Beach Palace qui nous a appelé en fin de semaine dernière pour un mariage de 200 personnes au mois de juillet.
ça c'est des gens, tu sais pas comment ils ont le numéro, tu sais pas comment ils appellent, ils savent pas quoi. Champion du monde peut-être. Ouais, peut-être. Non, eux là c'est plutôt meilleur de France. J'ai acheté ici, j'avais 20 ans. Donc il y a 25 ans que je suis là. Et c'est que du bonheur. Quoi. Je vais dire, le fromage, je crois que c'est un des plus nobles métiers dans l'alimentaire. Les gens, le mot qu'ils te disent, ce qui est le plus joli mot au monde, disent je vous fais confiance.